ne surprend pas parce qu'on a une équipe au départ. La première qualité, c'est qu'ils ont un caractère, ils ont cette force de revenir, le dépassement de soi. Et aujourd'hui, ça s'est vu à deux reprises. Ils mènent au score, on revient, on prend un but derrière sur un manque de gestion émotionnelle. Derrière, on a la force de revenir. En étant un peu plus gourmand, on aurait pu éventuellement mettre le troisième but, mais au vu du scénario, nous avons pris un carton rouge très tôt dans le jeu. Nous avons su malgré tout maintenir à cap notre philosophie. Et puis derrière, on va dire c'est un point qui est bienvenu. Je suis très très content parce qu'au départ, on a été très très sceptique à mon égard. Hein, je parle dans la région en général. Et aujourd'hui, je pense avoir fermé un peu quelques bouches en quelque sorte. Et pour ma première année en internationaux, après les échos, les ONG, aucune équipe amateur a réussi à se maintenir la première année, donc c'est chose faite. Et en plus, on se permet de rêver à jouer le podium. Et je suis assez satisfait de ma saison, satisfait des joueurs et puis satisfait aussi de moi-même. Il faut quand même de temps en temps se valoriser. Mais bien évidemment, je ne suis pas seul, j'ai un star à mes côtés qui travaille et je suis content aujourd'hui d'être au Sportif Club Urbain. On fait de belles choses. Merci. Bah, beaucoup de jeux aériens, beaucoup de duels. Donc du coup, comme on est une équipe bien plus jeune, à l'évidence, c'est formateur pour eux. Le petit topo là-bas, c'était simplement pour leur demander de retenir la leçon de ce genre de match. Rien de bien particulier. Un peu de maturité, un défaut de concentration et de maturité en face des garçons avec un homme de plus qui savent aller chercher des matchs à l'énergie, des résultats à l'énergie. À nous de nous en inspirer pour la suite. C'est satisfaisant parce que les garçons progressent bien. Que les résultats valident le travail. Voilà, mais nous n'est pas très étonnés de ce classement-là, compte tenu du travail fourni par les garçons. C'est pour ça qu'aujourd'hui il y a un peu de frustration parce qu'on n'a pas pu trop s'exprimer avec leur qualité. Donc, mais bon. Oui et non. Pas spécialement Cherbel d'ailleurs. Non, un match c'est un match. Aujourd'hui on avait les moyens de s'imposer, mais on n'a pas démontré qu'on les avait. Donc. Un petit regret donc. On prend ce match nul. Voilà. Merci à vous. Merci à vous.